Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'Algérie et la Sierra Leone renforcent leur coopération dans plusieurs secteurs à la faveur de la visite du président Julius Maada Bio, reçu par le président de la République, Al-Majid Tebboune. Alger et Freetown ont réaffirmé leur soutien au peuple palestinien victime de crimes de guerre, a déclaré le président de la République. Et la CIJ entendra le 11 janvier prochain les arguments de l'Afrique du Sud après le dépôt par Pretoria d'une requête contre l'entité sioniste pour génocide dans la bande de Gaza. Au Maroc, des milliers de manifestants ont marché hier à Casablanca pour réclamer la fin de la normalisation avec l'entité sioniste. Un système de compensation des frais de transport de produits de base de large consommation vers les régions du sud de l'Algérie parmi les dossiers examinés par le gouvernement réuni hier sous la présidence de Nadel Al-Baoui. Et Météo Algérie annonce le retour de la pluie à partir de ce soir et tout au long du week-end sur le nord du pays. Il neigera également sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude. En football, les Verts poursuivent leur stage de préparation à Lomé. Jamal Vemadi a rappelé le gardien de but Mustapha Azarba. Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce jeudi, la coopération algéro-sierra-léonaise avec la visite officielle de 3 jours en Algérie du président Julius Maada Bio, reçu hier par le président de la République, Al-Majid Tebboune. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête suivis d'une déclaration conjointe à la presse. Le président de la République a souligné la volonté des deux pays de renforcer la coopération qui s'est matérialisée par la signature de plusieurs accords. اتفقنا على تدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات عديدة منها الطاقة التجارة والفلاحة والصناعة الصناعة الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري وعلى ارتقاء بمستوى التبادل التجاري بإنشاء مجلس أعمال مشترك وهي خطوة عملية من شأنها فتح جسور تعاون Et au niveau africain, Alger et Freetown ont décidé d'unir leurs efforts pour le règlement des conflits au sein de l'Union africaine. اتفقنا على أهمية العمل المشترك والتنسيق ضمن الاتحاد الإفريقي للمساهمة في تعزيز السلم والأمن في قارتنا وحل نزاعاتنا إفريقيا والسعي إلى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على قارتنا الإفريقية بالعمل على التمكين لتمثيل عادل لقارتنا وهنا أتوجه إلى أخي الرئيس مادو بيو لأشيد بدوره كرئيس للجنة العشرة ورؤساء دول حكومات الاتحاد الإفريقي من أجل إصلاح مجلس الأمن الأممي للأمم المتحدة. Et l'Algérie et la Sierra Leone, membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, œuvreront de concert pour le maintien de la paix et la sécurité internationale dans le respect des principes des Nations Unies et des règles du droit international. Le président de la République a dénoncé à l'occasion l'injustice et les crimes de guerre contre le peuple palestinien. إن الجزائر وسيرا ليون باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن ستعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وستعملان كذلك على الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة بالأخص والذي يعاني من الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني. Et de son côté, le président Sierra Leone a souligné la convergence des positions entre les deux pays concernant les exactions que subit le peuple palestinien et le règlement de la question du Sahara occidental dans le cadre des chartes internationales. Il est revenu également sur le niveau de coopération entre les deux pays. Nous sommes déterminés de renforcer les relations au niveau bilatéral et au niveau multilatéral. Et ce n'est pas une coïncidence que cette visite se passe aujourd'hui à un moment où l'Algérie et le Sierra Leone ont commencé leur mandat en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Durant cette visite, j'ai eu un débat profond avec mon frère et ami et nous avons abordé des questions en rapport avec notre intérêt bilatéral dans le cadre de coopération et de concertation et de solidarité également. En Palestine occupée, où l'agression de l'armée sioniste se poursuit à Gaza depuis près de 3 mois, le bilan dépasse les 22 300 martyrs, 57 000 blessés et des milliers de corps sous les décombres, alors que 11 000 Palestiniens sont arrêtés en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre. Un autre chiffre à retenir, 1 million de déplacés sont arrivés à Rafah depuis le 7 octobre, selon un responsable palestinien. Tous ces crimes sont documentés par un panel d'avocats de plusieurs nationalités réunis pour rappel à Alger le mois passé, avant de déposer leur plainte devant la CPI, la Cour pénale internationale. Alors où en est la procédure? On écoute à ce propos l'avocat des victimes palestiniennes, Gilles Devers, contacté par Linda Hamed. Ça progresse, on les a rencontrés 2 fois. Et il y a une nouvelle rencontre qui est programmée en fonction de l'avancement du travail. Donc si il y a cette urgence, c'est qu'on travaille sur la question des mandats d'arrêt. Oui, évidemment, la justice, c'est jamais du jour au lendemain, ou c'est jamais bon d'ailleurs quand c'est du jour au lendemain. Il faut du temps, mais quand même, le délai est très crédible pour le moment. Et en tout cas, avec l'expérience de 15 ans de recul, je peux dire qu'on n'a jamais été si près d'un travail sur le fond, sur un mandat d'arrêt vis-à-vis d'un dirigeant israélien, mais de toute façon le débat sera après et les défenses sont là et il faut contextualiser pour comprendre ce que fait la résistance évidemment et rappeler toujours que Israël est puissance militaire occupante et n'a pas le droit à la légitime défense alors que les résistants ont le droit à la légitime défense parce qu'ils défendent leur terre. Une deuxième plainte est déposée cette fois-ci devant la plus haute juridiction de l'ONU, la CIG, la Cour internationale de justice, qui entendra le 11 et le 12 janvier prochain les arguments de l'Afrique du Sud après le dépôt par Pretoria d'une requête contre l'entité sioniste pour génocide dans la bande de Gaza. L'Afrique du Sud qui souhaite que la CIG ordonne d'urgence la suspension de l'agression sioniste à Gaza, estimant que cette entité terroriste s'est livrée, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza, indique un communiqué de la CIG. Au fil des semaines, la cause palestinienne gagne en soutien à travers de grandes manifestations organisées un peu partout dans le monde. Au Maroc, des milliers de manifestants ont marché hier à Casablanca pour réclamer la fin de la normalisation avec l'entité sioniste et réaffirmer le soutien aux Palestiniens. On écoute Dr Abdeljalil Dahli, juriste international et coordinateur de la plateforme Génocide Gaza. Hommes, femmes, étudiants, syndicats le disent haut et fort, à bas la normalisation honteuse et scandaleuse avec l'État sioniste, incarné et protégé et parrainé par le système de Mahzen, ne représente qu'eux-mêmes. Et depuis le 7 octobre, c'est le même slogan qui ne cesse de répéter. J'aimerais dire que l'agissement de la population marocaine reflète l'échec des tentatives de normalisation choisies par Mohamed qui est devenu un agent de l'État sioniste, qui est devenu un serviteur de l'État sioniste. La normalisation, un processus mis à mal par l'opération Tufan al-Aqsa, a déclaré dans son discours Hassan Nasrallah, ajoutant que l'assassinat par l'entité sioniste dans le sud de Beyrouth du numéro 2 du mouvement de la résistance palestinienne Hamas ne restera pas impuni. Hier, le sud de l'Iran a été secoué également par 2 attentats terroristes faisant des dizaines de morts et de blessés. Nesrin Dahmoun. Plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 180 blessées dans cet attentat perpétré près de la tombe du général Qassem Soleimani au sud de l'Iran lors de la commémoration du 4e anniversaire de sa mort. L'attaque aux 2 explosifs n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais survient dans un contexte régional très tendu depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et l'assassinat du vice-président du bureau politique du mouvement de résistance Hamas, Sheikh Salah Larouri. Le gouvernement iranien a décrété une journée de deuil national dans tout le pays. L'ayatollah Khamenei a promis quant à lui une réponse sévère après cette double explosion. Le président Ibrahim Raisi a condamné un acte odieux et lâche. Son homologue russe Vladimir Poutine a été le premier à réagir de l'étranger. Il a qualifié cet attentat de choquant par sa cruauté et son cynisme. L'Union européenne a condamné dans les termes les plus forts l'acte terroriste perpétré au sud de l'Iran et a exprimé sa totale solidarité avec le peuple iranien.
L'Iran qui a déployé ce début de semaine son navire de guerre Al-Borz en mer Rouge. Il est entré par le passage de Bab el-Mandeb alors que le porte-avions américain USS Gerald Ford, dépêché en Méditerranée orientale au lendemain de l'opération Tufan al-Aqsa, va regagner les États-Unis. On écoute l'analyse d'Akram Khalief, expert militaire contacté par Nesrine Dahmoun. L'envoi de cette frégate renforce la menace justement contre toute agression ou attaque contre le Yémen. C'est un envoi très symbolique, la frégate n'a pas de très grosse capacité, mais ça montre l'engagement de l'Iran aux côtés du Yémen dans ce qui se passe dans la région et dans cette cause-là. Il y a eu retrait américain parce que les Américains comprennent très bien que le Yémen et son armée sont un véritable casse-tête pour eux. Il y a très peu de cibles pour eux à bombarder. L'optique d'une invasion terrestre est totalement exclue. Plusieurs dossiers étaient au menu de la réunion du gouvernement hier, présidée par le Premier ministre Nader Al-Arbaoui, dans la mise en place d'un système de compensation des frais de transport de produits de base de large consommation vers les régions du sud de l'Algérie. L'exécutif s'est penché également sur les dossiers de la création et le fonctionnement des zones franches avec les pays voisins du sud et à la promotion des exportations hors hydrocarbures, ainsi que l'avant-projet de loi relative au partenariat public-privé. Les unités de production du complexe sidérurgique Sidi Al-Hajjar à Annaba ont repris leurs activités après le redémarrage du haut fourneau à l'arrêt depuis 3 mois et la résolution du problème d'indisponibilité de coke ou le charbon, indique un communiqué du groupe Imetal qui fixe comme objectif de produire en 2024 plus de 600 000 tonnes de produits sidérurgiques commercialisables contre 300 000 tonnes en 2023. Météo Algérie annonce le retour de la pluie ce week-end, de la neige également sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude. Et soyez prudents, une femme quadragénaire est décédée hier à Ibn Algérie par asphyxie en monoxyde de carbone émanant d'un appareil de chauffage selon la protection civile. Un mot d'énergie et le rebond des prix du pétrole après la fermeture d'un important champ pétrolier en Libye qui produit 300 000 barils le jour et sur fond également d'inquiétudes à propos des tensions géostratégiques et leurs conséquences potentielles sur l'approvisionnement. Le prix du baril a atteint 78,03 $ le baril à Londres. Du football avec le stage de préparation de l'équipe nationale à Lomé en prévision de la CAN en Côte d'Ivoire qui débutera dans quelques jours. Les Verts qui joueront leur premier match amical demain à 21h heure algérienne. Ce sera face à l'équipe nationale à prime du Togo. Et puis à rappeler que Jamal Belmadi a rappelé le gardien de but Zarba qui a été rappelé en renfort pour prendre part à la CAN suite au coup reçu par le gardien Raïs Mboulhi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatima Chef.